Bonjour à tous et bienvenue sur Aladdin Simulator. On commence directement au deuxième niveau, hein, du coup, de ce magnifique jeu qu'on avait déjà commencé. C'est parti! Alors comme toujours, hein, ramasser du pognon en chemin pour après pouvoir payer des mecs en bleu bizarre. Hein. Point à dague. Ça a l'air bien ça. Alors il y a un mec sans bras qui arrive. Hein. Ah! C'est un kamikaze quoi. Alors lui là-bas, on va lui lancer 800 ans d'artisanat potier à la tête. C'est parti! Meurs! Ah! Non! Dégage! Non! Ah, dégage! Oh, on recommence au niveau 1? What the fuck? Attends quoi, on recommence au premier niveau? C'est une blague? Est-ce qu'on peut au moins s'enfuir de là? Non, je veux partir! Oh, d'accord, on recommence depuis le tout début. Espèce d'immigré, quoi. Hop, de la thune! Merci, ça fait plaisir. Alors, la sortie. Alors, là-bas, il y a une porte. Je sais pas où faut aller. Là-bas, il n'y a rien. Voilà, super. Y'a de la thune, on la prend, non on s'en fout! On veut le niveau 2 mec. D'accord, ok. Donc je ramasse des poignées de porte, hein. Ça me fait de l'argent, c'est cool. C'est quoi ça? Waouh, c'est cool ça. Dégage mec sans jambes! Va te trouver un fauteuil roulant! On va les incendier hein, avec des bombes incendiaires évidemment. Crève! Magnifique, alors on va trouver la sortie, je sais pas où c'est. Bon, arrête de me lancer du sable, je te dis que ça pique les yeux! Mais... D'accord. Je crois qu'on arrivera plus jamais au niveau 2. Hein. Qui c'est qui me tape? Ah, c'est ça! Putain, mais les pièges, ils sont ultra vicelards, quoi. Alors, le squelette qui te fonce dessus, c'est quand même ultra flippant. Hein. C'est quoi ça? Attends, qui c'est qui a perdu son chapeau, là, par terre? C'est pas bien, ça. Hein. Oh, alors, il y a l'autre là-bas avec ses flèches, là. Elle va me dézinguer en 2-2. Il y a plein de mecs! Dégage! Non! Non! Non, j'ai dit non! Je me suis tapé de la droite! C'est quoi ce jeu? Vase explosif. Mange ce vase explosif! C'est ça, mec. Tu crois que tu me fais peur? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alors, à mon avis, ça, c'est pas la sortie, hein. Je crois pas. Donc, on va remonter, hein. Ok, alors cette fois-ci, au lieu de Mohamed, j'ai pris Fatima. Hein, c'est-à-dire que là, en fait, le personnage est une femme. Du coup, hein, voilà. Ouais, alors je sais pas si elle est voilée ou quoi, hein, parce qu'on voit pas son visage. Hein. En tout cas, je peux vous affirmer que là-dedans, il fait chaud. Ah! Est-ce que c'est pique, là? Arrêtez de m'enfoncer des pics où je pense. Non! D'accord, alors j'arrive, on commence déjà à me déglinguer. Merci. Arrête de sortir de derrière les colonnades! Fou! Est-ce qu'on peut utiliser le sable comme corde? Mais dégage, espèce de banc pourri là, non mais attends! Dis pas qu'un vieux banc va pouvoir m'empêcher de passer! Oh de la thune! Mais... Bon, hein, là Fatima, bravo quoi, parce que là, zéro. Alors, j'ai beaucoup joué, hein, j'ai beaucoup perdu aussi, hein, des dizaines de fois. Hein. Et j'ai donc passé le niveau 2, maintenant je suis au niveau 3 hein, qui s'appelle domicile torturé. Bon, je ne savais pas qu'on pouvait torturer des maisons, mais c'est pas grave. Et du coup, hein, je suis maintenant au rang 4. Alors j'ai débloqué du coup un nouveau personnage, hein, c'est la soldate. Alors elle en fait, elle a une lance là, hein, pour piquer, les fesses des squelettes. Et sa lance, elle peut aussi la lancer comme ça. Hop! Hop, elle l'a lancé, hein. Et maintenant que ça m'embrille d'une manière inexpliquée, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va appuyer sur la souris, bon, classique, et hop! La lance réapparaît dans sa main, comme par magie, ou par magie, je pense. Bref, alors, il me reste un demi-cœur, hein, donc j'espère que ça va bien se passer. Hop, on est parti, force de level 3, free, enfin, je sais pas comment on dit. Ouf! Ah, on peut acheter de la vie, cool! Yes, de la vie, enfin, de la santé. Je veux 2 vies en plus, s'il vous plaît. Tiens, super, je peux mourir. Ok, donc, alors là, au début du niveau, il y avait écrit Trouve le portier. D'accord, hein, donc je pense qu'on va devoir déglinguer quelqu'un qui surveille une porte, ça fait plaisir. Montre-toi, je sais que tu es là. Wow, mais les pièces, elles sont immenses, quoi. Alors là-bas, il y a un coffre, on y va, de l'argent, merci, c'est quoi ça? C'est quoi? Ah non, c'est pas. D'accord, à un moment, j'ai cru que c'était une potion, mais non, évidemment. C'est quoi ça? Du poison, non? Genre, je me suis fait empoisonner la vie à cause d'un coffre, quoi. Merci. Voilà, donc, maintenant que j'ai changé en plus la disposition des touches et tout, hein, ça doit pouvoir être mieux qu'avant. Comme toujours, hein, destructeur de peau, hein, meurt.
Wow! Alors, il y a un nouveau mec là. Hein. Voilà. Celui-là, je le connaissais pas, c'est quoi? Eh, le piège! Wow, avec 12 000 pics dedans, quoi. Voilà, alors comment faire simple, hein? Pas aller là-haut, là. Ah si, wow! Eh, j'escalade! Alors là, je viens de trouver un truc qui donne plein plein d'argent, hein. Ça fait plaisir. Même si j'avais plus de vie. What, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ce machin, là? Un bébé soleil. Non! Et genre, je me l'ai dessus, quoi. Non, dégage, dégage, dégage! Non! Non, j'ai rien fait! Non! Je me fais courser par un soleil! Non, dégage, soleil! Non! Je suis mort. Voilà, merci. Voilà, super. Et oui, encore une fois. Hein. Oh, je serais mort je sais pas combien de fois. Hein. Ah! Et maintenant, je suis en 5. Bref, donc sur ce, on va s'arrêter là. Hein. Donc, voilà. Donc, à plus, bye, salut.